Bonjour et bienvenue au Thibaut du 29 juin 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chrysoya Kilomé et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est l'amour direct de Dieu pour toi. Oui, cher ami, aie confiance en l'amour du Père pour toi. La Bible nous dit dans Jean 16, versets 26 à 27, vous pouvez lui adresser directement vos demandes par rapport à votre vie que je vous ai révélée. Je ne continuerai pas à faire des demandes au Père en ton nom. Je n'en aurai pas besoin. Parce que vous avez pris le risque de vous engager à m'aimer et à me faire confiance en croyant que je suis venu directement du Père. Le Père vous aime directement. Vois-tu, mon ami, s'il y a quelque chose dont tu devrais être quotidiennement convaincu dans ton cœur, c'est ceci. Dieu t'aime d'un amour sans fin, profond et éternel. Son amour pour toi ne cessera jamais. Tu dois avoir cette conviction profondément et fermement ancrée dans ton cœur. Romains 8, verset 32 nous dit « Si Dieu n'a pas hésité à tout risquer pour nous, en acceptant notre condition et en s'exposant au plus dur en envoyant son propre Fils, y a-t-il autre chose qu'il ne ferait pas volontiers et librement pour nous ? » Vois-tu, il n'y a absolument rien qu'il ne puisse te donner ou faire pour toi si tu le lui demandes. Certaines personnes croient qu'elles ne sont pas assez dignes pour parler directement au Père, alors elles cherchent d'autres personnes pour attirer son attention. Mais c'est faux. Jésus a dit dans Jean 16, versets 26 et 27, « Vous pouvez lui adresser directement vos demandes par rapport à cette vie que je vous ai révélée. Je ne continuerai pas à faire des demandes du Père en votre nom. Je n'en aurai pas besoin. Le Père t'aime directement. » Comprends, mon ami, que Jésus a clairement indiqué ici qu'il ne priera pas le Père en ton nom. Toi, tu peux parler au Père directement au nom de Jésus. Alors, ce n'est pas étonnant que la Bible dise, dans Hébreux 4, verset 16, « Alors, approchons-nous de lui et obtenons ce qu'il est prêt à nous donner. » Alléluia! Aie confiance en l'amour de ton Père. Le Seigneur Jésus a également dit dans Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » En d'autres termes, lorsque tu demandes au Père tout ce que tu désires au nom de Jésus, ta joie sera comme une rivière qui déborde de ses bords. Ben alors, qu'attends-tu ? Demande-lui, car il t'aime tellement et fera tout pour toi. Oui, cher ami, ce matin, le pasteur voudrait que nous puissions comprendre l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime, Dieu t'aime énormément et tu dois avoir confiance en cet amour. Tellement confiance que tu marcheras dans la conviction et dans l'assurance, sans douter et sans peur. Parce que Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il te garde. Et parce qu'il t'aime, il te protège. Alors tu n'as aucune crainte à avoir. Si un Dieu si puissant te garde, veille sur toi, prend soin de toi, quelle peut être ton inquiétude? Il est important d'être conscient de l'amour de Dieu pour en profiter des faveurs. Sans cette conscience, tu vivras dans la peur, dans le doute.
La Bible dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, comme des humains, par manque de connaissance de l'amour de Dieu aussi. Alors travaille, prends du temps à éveiller cette conscience. Parle à toi-même en te répétant combien Dieu t'aime, combien tu es précieux pour lui, combien il est attaché à toi, combien il désire ton bonheur, il désire ta joie. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Romains 5, verset 8, mais également dans Hébreux 4, verset 16. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour ton amour pour moi. Merci Père pour le privilège de demander et de recevoir une réponse au nom de Jésus. Maintenant, je peux demander avec audace et recevoir des réponses grâce à ton amour qui s'exprime par une grâce abondante à mon égard. Merci Seigneur pour ton amour. Alors mon ami, n'aie pas peur de demander à Dieu. Son désir est de satisfaire tous tes besoins. Fais une demande au Père et entends sa voix te répondre, te parler, te rassurer et t'apporter les solutions à tout ce que tu lui demandes dans sa volonté. À demain.